L'enthousiasme des Américains pour la Formule 1 est incroyable. Une ferveur née des nombreux Grands Prix disputés sur les terres de l'oncle Sam. Parmi les courses mémorables, souvenons-nous de 1959 et de la première victoire de Bruce McLaren à Sebring. En 1983, à Long Beach, c'est John Watson qui s'imposait malgré la plus mauvaise place en qualification jamais obtenue par un vainqueur de Grand Prix. Nous voici sur le circuit des Amériques, situé à une vingtaine de kilomètres de la magnifique ville d'Austin. Le circuit de 5,7 km de long propose 20 virages, 10 à gauche et 10 à droite, et des pointes de vitesse avoisinant les 320 km/h. Les dépassements sont à privilégier dans les virages 1 et 12, surtout avec le DRS activé. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Bon, est-ce que je peux avoir votre avis sur Kevin Magnussen ? On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1, et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le professeur part en pole position, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas et Albon, Vettel, Leclerc, Russell et Pierre Gasly, Perez, Norris, Romain Grosjean et Kubica, Hülkenberg, Ricciardo, Lance Stroll et Kevin Magnussen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Sainz et Daniil Kvyat qui ferment la marche. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Tu es championne du monde des pilotes après cette course. Superbe performance, c'est amplement mérité. Quelle incroyable saison de Formule 1. Les pilotes se sont tous donnés sans compter durant cette année qui restera l'une des plus incroyables de l'histoire du sport automobile. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un et le voici, le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. Remarquable performance d'Alfa Romeo qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes.